Bienvenue sur Binous USA, Be News. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer sans modération. BNews USA is part of the PodCut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 281. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour, monsieur Stéphane. Comment va-t-il Eh bien, ça va très bien. Mm -hmm. Moi, j'ai une euh, dépêche qui est tombée sur les téléscripteurs de Binous, de la rédaction de Binous USA, ce matin. Oui. C'est rigolo parce que ça va avec euh, quelque chose dont on vient de parler hors micro il y a, il y a une minute. Ouais. Attention, on a une invitation, monsieur. Oui. Dégustation de la nouvelle porteur. Monégasque. Et pourquoi tu reçois ça toi Eh ben parce que bino@gmail.com on reçoit des tas de trucs qui sont pas intéressants et puis de temps en temps, on reçoit des emails sur la porteur Monégasque monsieur D'ailleurs, que malgré la distance, j'aimerais bien le goûter. Est-ce que c'est pas beau ça Magnifique, magnifique. Alors, alors, euh, paint, man, tout est beau. Tout est beau, le logo, tout est beau. Voilà. Alors il faut se dépêcher parce qu'elle n'est disponible que du 5 février jusqu'au 17 mars. D'accord, on va prendre un ayant là. C'est pour la Saint-Patrick et après oui. c'est fini. D'accord. Voilà. Mais intéressant, cette moi, ça Très me Moi, ça me plaît. Alors, ils expliquent un petit peu l'origine de la porteur. Euh, ouais. Elle est née à Londres au XVIIIe siècle. Ouais. Elle était consommée dans les pubs de la ville. Absolument. Et de la périphérie par les travailleurs des ports, les ticket porters. Ouais. Ticket porter. Ticket ouais, ouais. porter ouais, bien sûr. À l'issue d'une journée de travail harassante, dans ouais, le froid, ouais. cette bière euh, riche offrait du réconfort. Voilà. Eh ouais, alors c'est une bon brun foncé bien sûr, couleur brun foncé, mmh. note majeure café caramel chocolat, mmh. 5 degrés 2, mmh. bien. amertume modérée, oui. texture crémeuse. Mmh. Saveur riche et complexe. Ouais, à Monaco, monsieur que aille là Bah oui que aille... Regardez ça mmh. Vous ne vous, euh, hey, voulez pas ce verre Ah si, le verre est magnifique. Ah, bière de Monaco Le logo est, est prévisible, mais magnifique oui. aussi. Oui Voilà, voilà. voilà j'ai reçu ça, j'ai dit Stéphane. Tu Stéphan. as leur adresse et tout Stéphane hein. va fantasmer. Tu as oui. leur adresse évidemment. Ah que... oui oh, Ça m'intéresse vraiment. Allez-y, monsieur, est-ce que mmh. vous avez une, euh, une brève oui. Alors, en parlant d'alcool, justement, il y a une grande différence entre l'Alabama et la Louisiane. Ah bon Oui, c'est les taxes. Ah et bon L'Alabama, les taxes sur les alcools forts, ben, c'est x4. Tu payes une bouteille, euh, je sais pas moi, c'est multiplié par 4 le prix. Hein ah, quand même Ah ben voilà, ils sont comme ça. Donc, euh, je, je suivais des ah gens qui, qui en parlaient sur Internet. Alors qu'en Louisiane, c'est à peu près 10%. Là-bas, c'est... Euh, c'est 30 voilà. Voilà. c'est énorme. Oui oui, C'est-à-dire que tu vois le prix affiché et quand tu passes en caisse, ah c'est pas pareil. Tu penses payer 5,99$, dollars tu payes 9,99$, dollars des choses comme ça, tu vois. En Louisiane c'est 10 mais nous sommes une terre quand même formidable. De buveurs. Oui, ben ça à mon avis pour toucher des alcools moins chers que la que la Nouvelle-Orléans ou Baton Jefferson, il faut se lever faut se lever tôt. Mais oui, l'Alabama, ah c'est l'alcool, c'est mal. Ah comprends? oui. Voilà. Euh, ma, mon épouse est allée en Alabama le week-end dernier. Je elle, elle est allée dans une brasserie. Je lui ai demandé de me ramener quelque chose. et bien, il n'y avait rien à emporter. Ah ben voilà. C'était tout sur place. C'est bien, comme ça, au moins, on boit sur place. Donc, euh, ils m'ont rapporté un verre. que sympathique, <laughs> mais bon, voilà. C'est un peu sec. Euh, sinon, dans un autre domaine, serait-ce, ou sera-ce, mm. la mort des guitares made in Mexico Comment México. Comment ça Ben oui, mais qu'ils commencent à bien payer les employés Oh non, alors L'État a proposé oh tu sais, de, de revaloriser le, le salaire oh non. minimal. Oh, mais ben si on commence à bien, bien payer les employés, alors où va-t-on Mais où va-t-on Donc, les, voilà, donc elles vont devenir plus chères, les guitares mexicaines Oh bon, On va les faire fabriquer où maintenant il manquerait plus. Et puis, il y a du SMIC aussi, pourquoi pas, voilà. pourquoi pas le SMIC aussi Non, mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, euh, les guitares cheap, oh. j'en ai plusieurs dans cet appartement, n'est-ce pas euh, Mais il est de Mexico, Mexico, Mexico. Enfin, les Squires et tout ça, 600$, non, on va les payer Le Squire, c'est Fender Mexico. Ouais. Enfin, mais... Au Mexique, c'est Fender Ah bon, ouais. Ce n'est pas Squires Squires c'est en Corée. Ah voilà, c'est un peu moins cher. En Corée du Nord, même. En Indonésie. Ah voilà. Corée du Nord. Indonésie, oui. T'imagines la guitare faite en Corée du Nord C'est pour ça que je me retrouve avec une, une guitare que j'aime beaucoup et qui ne coûte. Que 600 et quelques dollars à la Voilà. Elle doit être faite en Indonésie. Je crois qu'elle est faite en Indonésie. Et c'est très bien, très bien faite. Voilà, bravo. Les Indonésiens font un très bon travail. Oui. Il ne manquerait plus qu'on les augmente. Ça, un <laughs> non, on ne peut pas leur dire. Voilà. C'est moins idée. Pfff, voilà, donc formes, ça, ça, ça posait un sérieux problème. Euh, voilà. je, je vous en prie, dites. Vous avez très bien. Dit... Eh bien, moi, euh, j'ai ce dont je vous parlais la semaine dernière, les neuf tendances de la bière en 2024. Oui. Bon, la bière craft, hein, bien sûr. Oui. Euh, du, du, oui, parce que, bon, on s'en fiche du reste. La bière, cette heure. Oui. Euh, qui vient de, du site internet Hop Culture. Je ne mm -hmm. sais pas comment on le prononcer. Hop Culture. Mm -hmm. euh, D'accord. H-O-P-C-U-L-T-U-R-E. Mm -hmm. Euh, alors, je vais vous décliner ça. Je vais vous en dire que trois aujourd'hui. Ah, ah non, quatre. Quatre parce que j'ai mis un 2, 3, 3. Tu vois, c'est bien. Mis, il y a, y a, y a, trois, y a euh, deux euh, numéros trois. C'est bien. C'est partage le, le podium. Voilà. Non, je vais vous en dire que quatre aujourd'hui. Et puis le, le, le reste la semaine prochaine. Parce que bon, il y a beaucoup de choses. Et puis ça peut engendrer des discussions. Le premier, c'est euh, beaucoup d'efforts de la part des brasseries pour améliorer l'expérience à la brasserie à la taproom. Oui. Ah, ben, ça, je, on voit déjà. Ouais, tu m'as parlé de Paris. Oui. Hein, oui. oui. Mmh. On, on voit déjà beaucoup d'efforts euh, dans certaines brasseries qui améliorent l'expérience le, le, à la tap taproom. Yeah, le client est roi. Voilà, c'est-à-dire que no, non seulement on va, on va soigner les bières, mais également les prestations, l'ambiance, l'atmosphère le, 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 euh, sur place. Non, c'est dommage, j'aimais bien l'expérience. Alors, bon, il oui. veut quoi ce quoi monsieur évecoisse, il veut ben quoi ben On en a pas de ça ben non, On, on en a, en a pas alors. On en a pas alors, ben voilà. Une il puis quoi C'est tout là ouais, Ça, c'était la vraie expérience. Il veut consommer le monsieur parce que sinon il peut sortir. Hein. Voilà. <laughs> bon, on m'a dit ça dans un magasin de guitare, justement, on parlait de guitare il y a un instant, un magasin de guitare à Paris. Eh oui. Je suis rentré, oui. il y avait des belles guitares vintage et tout. Et puis je, bah, je regardais les guitares et puis je, le, 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 le proprio qui me dit Bon, vous êtes là pour acheter euh, ou, ou pas Parce que sinon on pouvait sortir. Hein. <laughs> Je me suis dit, waouh, c'est super Paris ouais, bien sûr, <laughs> Les bien. touristes doivent se régaler Après, on est allé dans un autre euh, magasin de musique, on rentre, il y avait euh, donc le proprio à la caisse, et un copain à lui euh, qui discutait, il n'y avait personne dans le magasin, donc on rentre, j'ouvre la porte, et il nous regarde du genre, bah, « Qu'est-ce que tu veux, toi Tu me <laughs> déranges !» Le, le, si tu veux l'impression que ça a donné, c'est tu nous déranges. Qu'est-ce que tu fais Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu viens faire dans mon magasin Bon, j'ai, bah, euh, ok. ne vous inquiétez pas, je m'en vais. Mais suis reparti, je suis pas rentré. C'est bien les commerces parisiens. Oui, c'est formidable ça. ça c'est c'était ancien. Ça, bien, ça. Oui, donc, je vous parle des années 90. Eh oui, bon, maintenant, c'est tellement différent, j'en bah, suis sûr. Ah oui, mais ouais. Bon, bon. Voilà. Les chers auditeurs et éditrices parisiens, parisiennes, mmh. n'est-ce pas euh, Numéro 2, monsieur Stéphane. Oui. Le retour de styles anciens et traditionnels. Ça, je... moi, je l'ai vu venir. Ah, mmh. Des ouais. styles allemands, ah. Tchèque oui. Et anglais! Ah oui, mais anglais, il faudrait quand des même. Des cascades ouais. et des trucs comme ça mmh. qui vont arriver. Moi, je sais d... pas. C'est-à-dire que ces dernières années, il y a eu une espèce de, de, de course à, à l'innovation. Ouais. Et au nouveau, mmh. à la nouvelle, euh, nouvelle technologie, nouveau. Ouais. Hein. Et puis maintenant, il y a une espèce de, tu sais, le, le, le balancier ouais, ouais, repart et, dans ouais, l'autre ouais. sens. et bien rétrofité. Voilà. <laughs> Et on redécouvre les styles euh, rétro. Il serait temps pour les bières anglaises. Et voilà. S'il vous plaît. Et donc ça, ça, te, ça te plaît, ça Oui, ça, ça me va. Voilà. Mm -hmm. euh, numéro 3, expansion des lagueurs, monsieur. Mais ça, ça fait des années que je l'annonce. Ah, bon. Style Pilsner d'un peu partout, par exemple. Pilsner néo-zélandaise. Ah, amusant. Pilsner française. <laughs> en France Pilsner italienne. Oui, on a déjà dit que ça se un côté commercial derrière. Mais et bon, tout ouais. ça est en train de revenir, monsieur bah Stéphane. Mais tant mieux, voilà, là pour l'instant je suis bon sur deux trucs, sur trois, parce que moi j'aime bien me faire jeter quand je rentre dans une brassade. Oui, c'est un truc. Voilà. <laughs> euh, et le deuxième numéro 3, parce que j'en ouais. ai deux, voilà, c'est comme ça, le retour de la West Coast IPA, monsieur. <laughs> mais attention, un peu évoluer, ouais vaut mieux, avec des houblons plus récents, mm -hmm. et des profils plus fruités. Ah oui vaut mieux parce que euh, ça c'est un peu daté, on oui, l'a euh... déjà dit, on l'a déjà dit, oui on l'a dit mille fois, voilà. Mais donc là ils vont un peu remettre au goût du jour la West Coast. Ah ben c'est très bien. Pourquoi pas Oui, moi j'ai une autre brève, Simon. C'est tout, c'était la brève. Non, Simon, euh, alors tu le vois sur la petite vignette euh, YouTube avec mm -hmm. les, le thumbnail. Euh, avec, avec la, la, la tête de, dans les mains et marqué oh. Je vous dis tout sur mes ennuis de santé. Oh, dis, wow. Écoute, c est, c est, ces trucs putaclic, accrocheurs, wow. moi je commence à en avoir marre. Je me dis, ah bon, bon, il nous explique que pendant tout le mois de, de janvier, il a, il a diffusé des vidéos sans alcool ou de la bouffe et compagnie. Bon, il a eu des problèmes effectivement de santé parce que. Ah. Il euh, non content de, de, de boire pour ses émissions, euh, il boit en famille, donc... Il... Enfin, bon. Euh... Oui, même c'est un truc pour cliquer. Euh, à Un moment donné, il disait, oui, ben bah, oui, tu as, 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 as eu des problèmes de santé, oui, évidemment, de, de... mais évidemment, mais tu pas encore une cirrhose, tu pas les trucs. Mmh. Euh, bon, il a dit, mais là j'ai arrêté une semaine, ça va beaucoup mieux, tout ça. J'ai dit, bon, c'est sûr, tu étais certainement pas en forme, il avait des douleurs, tout ça, mais, mais c'est quand même un truc, tu vois... Ah euh... oui, mais c'est accrocheur. Ça, ça me rappelle, bon, je, je regarde des tas de vidéos musicales sur YouTube. Il y a le chanteur de The Darkness, si ça vous dit quelque chose. Je crois que c'était dans les années 2000, c'était un peu style hard rock à 70, un peu à la Queen et tout ça. Et ils avaient fait un, un morceau bah, que vous entendez en fond sonore, que j'ai mis en fond sonore, voilà. Et c'est le chanteur, il fait des vidéos où il, il critique un petit peu des nouveaux morceaux, des choses mmh. qui se passent dans le, dans le monde musical. Et. Je, je vais arrêter de regarder ces vidéos parce que les, si tu veux les titres sont tellement euh, accrocheurs et, et, et mensongers qu'au ah. bout d'un moment tu dis bon ça va. Par exemple il y avait un morceau sur euh, un des nouveaux morceaux des Rolling Stones. La photo c'était lui qui, qui se met pareil, qui se met la tête euh, ouais. dans, dans les mains et qui dit ah oh, mais ça va pas, ils ont fait n'importe quoi, la déchéance des Stones et tout. Alors donc tu cliques et il passe le morceau, il réagit. Ah ouais, c'est vachement bien mm -hmm. Ah ouais, c'est super mm -hmm. Et en fait, ils trouvent ça super. Donc, ouais. au bout d'un moment, ça va quoi. Oui, de la c'est pareil. Je vais les, <laughs> les vidéos YouTube, ça va bien quoi. Ouais, ouais, moi, et, la, et la fois d'après, c'était Kiss. Oh, mais ils ont complètement perdu la tête, tu vois. Ouais. Je dis, bon, non, là, là tu vois, ce coup-là, tu mourras pas. Ouais, non, <laughs> ça va quoi. <laughs> en, en revanche, monsieur Stéphane, ce qui va nous avoir, c'est la bière de la semaine. Voilà, nous aussi, on devrait faire des titres putaclic. Ah, tout à fait. Euh, voilà. On arrête le podcast. Voilà. Euh... Euh, Stéphane, euh, Stéphane, intoxiqué. Voilà. Euh, voilà euh, de problèmes de santé, on ouais. arrête le podcast. Voilà, euh, <laughs> voilà. J'ai eu un rhume. Ah ah <laughs> J'ai perdu l'odorat. Tu vois, le genre le titre, tu vois. J'ai perdu l'odorat. <laughs> voilà. Bon, deux, pendant deux jours, j'étais enrhumé mais mais non, un, truc <laughs> comme ça, ouais, un Truc violent, quoi. Bon, ce qui est violent, c'est la bière de la semaine. Oui, quelle est-elle Eh ben, après le Sonal, tu vas le savoir. Oui. C'est parti. Monsieur Stéphane, après ce son à Louisianais, une bière qui l'est. Qui l'est, qui l'est. Une bière Louisianaise Oui, monsieur. Qui est à mon frigo, en plus. Mais oui. Depuis une semaine. Depuis une semaine, parce que je t'ai quand même euh, rappelé de ne pas la boire. Ouais, mais... Parce que tu es costumier euh, du fait, toi. Je suis costumier, oui. Euh, non, mais je la toise depuis, euh, depuis une semaine. Je ne la regarde même pas. Je ne la calcule tu la pas. Tu ne la calcules pas. Comme on disait en 1992. Voilà, eh bien, mmh. je vais vous expliquer. C'est la blueberry mochi. Oh mochi! Mochi de chez Parish Brewing. Ouais. C'est une Berliner Weiss de voilà. dessert. Oh de dessert. Oui, oui monsieur. Mm -hmm. Elle fait 4 degrés cinq. Vraiment rien, c'est bien. Elle contient de la myrtille. Évidemment, j'en ai dans mon frigo également. Du lactose. J'en ai pas non. Dans... Ouais, j'aurais pu en avoir dans mon frigo. De la vanille de Madagascar. J'en ai dans mon frigo, j'ai <laughs> tout. Moi j'en ai un fond. <laughs> bah tu peux en faire. Voilà, moi aussi j'en ai. Euh, des flocons de riz. Euh, non, j'ai du riz, mais pas des flocons de riz. Alors, c'est une. Et hey, les houblons, ce sont des houblons cristal. Absolument Voilà. C'est une, une collaboration avec la brasserie Great Notion. Mm -hmm. Et j'ai oublié de, de regarder d'où ils sont, ces gens-là. Aïe, 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 Alors, euh, ils avaient déjà brassé une version à la fraise, qui, moi, ne m'a pas du tout aguichée. Ouais, je me la rappelle sur les hein? étagères. N'est-ce pas ouais. Avec les fra... la fraise. Mm -hmm. Exactement comme ça, mais avec une fraise. Mm -hmm. mm -hmm. N'est-ce pas Oui, non, moi, ça ne m'a pas trop parlé non plus. Alors, qu'est-ce que le mochi, monsieur Connaissez-vous le mochi Qu'est-ce que le mochi, le mochi Alors, nos auditeurs, nos auditrices euh, japanophiles, mm -hmm. nipponophiles, mm -hmm. euh, savent que ce, ce que c'est que les mochi. Évidemment. Est-ce que toi, tu sais Non. Alors, moi, je ne savais pas non plus il a fallu ouais. que je fasse des recherches. C'est des gâteaux de riz japonais. Absolument. Traditionnellement ronds. Mm -hmm. Euh, servi toute l'année, mais euh, traditionnellement au Nouvel An surtout. Ah, ben voilà! C'est des, des gâteaux de riz euh, du Nouvel An japonais. Je vous ai apporté des mochis. Voilà, voilà je formidable. vous ai apporté des, des mochis. mochis. Formidable! Ouais. Et donc, cette Berliner Weiss de dessert, mm -hmm. et, et si, si vous voulez, elle est inspirée de ces gâteaux japonais au riz. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a de, des flocons de riz dedans. Absolument, tout se tient. Et c'est une dernière vase de dessert. Tout se tient. Tout se tient. Ils ont oublié d'être bêtes chez Paris. Ouais, ils on cherchait loin des fois. Oui, un petit peu. Hein. Je trouve voulez. que c'est assez prout-prout comme si truc. On peut boire de la bière, ce serait bien. Quoi. <laughs> bon, voilà. Alors, monsieur bien. Stéphane, j'ai pensé. Alors, je, je vous ai amené deux euh, canettes de saison mais mmh. euh, je me suis ravisé parce que. Je vous connais, vous allez boire trois gorgées, vous allez laisser le reste dans votre verre. Ça n'est pas la peine. Ah, non, non, ça n'est ça... pas la peine. Non, rejeter. Ouais. <laughs> ce n'est pas la peine d'ouvrir de, de, deux canettes de saison pour, pour boire trois euh, mm -hmm. trois misérables petites. Mais bloupées. attention, peut-être que je vais apprécier. Je vais avoir, une, je sais pas, une, une, une révélation. Eh il ben, y en a une deuxième dans le frigo, si ah, tu veux. Peut voilà. peut ah, peut-être. Voilà. Peut-être. Ah. N'est-ce pas? Alors, on va se partager une canette et puis après, plus y affiniter. Après, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. C'est notre podcast, après tout. Après tout. dedans. Voilà, c'est mon frigo, d'ailleurs. En plus. Voilà. Ah là, il a failli. Là aussi, il a failli tomber la chaise. Ah là là. C'est au figuré, au propre, et voilà, tu maintiens tout ça. Attention. Attention, attention, je, je, le vois, je le vois sur ton chandail, monsieur. Ouais, moi aussi, ça m'a... Oh, hey, hey, te... Ah non Heureusement non, que j'avais mis les mains. C'est ah, ah, sur ton pantalon. Hey, J'en ai sur mon chandail. Ah oui Quand même, pourtant j'avais mis les mains. Tu vois, Ah, Je te l'ai dit, les... puis en plus ça tâche. Hein. Ah, tant mieux <laughs> Je vais mettre un peu d'eau sur mon chandail. Allez, donne, donnez-moi votre rouge. Donnez-moi ah, votre gamelle. Je vais mettre un petit peu d'eau sur mes vêtements. Allez-y. Très belle couleur, quand même. Voilà, ça c'est la vôtre, parce que je sais que vous n'allez pas en faire des folies. C'est un peu. Berlin et sour. Moi, je sens du sour dedans. Ah, bah, dites donc. Alors, attends... Bien sûr. Je vais. Attendez. Non, mais je vais le... Le... Le mettre un peu d'eau. Comme... Mais n'interrompez pas le, le, le la sm bière. Bon. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut écouter un peu de jazz à papa. Oui. Pendant que monsieur Stéphane euh, va faire de la. De quoi, de la voilà. va faire sa toilette ah, là, là. de chat. Monsieur Stéphane, après ce jazz à papa et mm -hmm. votre euh, toilette de chat, oui. euh, que pensez-vous de l'aspect et du nez de ah, cette bière J'aime beaucoup la couleur, mais la mousse, évidemment, elle est partie. Hein. Oh, joli, là, elle là. Est, est très jolie. Hein. Ouais. La bière est très jolie, mais la mousse, elle est partie. J'ai tourné le dos et hop, oh, elle est partie. Je sais pas, mais c'est barré, j'ai rien entendu. Mm -hmm. Le nez est bien. Oui, Myrtille. <laughs> oui, voilà. Myrtille, euh, là, on sent vraiment le lactose et le riz, je trouve. Ouais. Pâte de riz, ouais. Oui, oui, mm -hmm. c'est ça. Bah, gâteau de riz. Oh, ça me rappelle les calissons d'Aix-en-Provence. Oh, oui, c'est vrai. Les calissons d'Aix. Mon Dieu, mais Bébé. Oui, hein. mais... vais... Prendrais bien une boîte de calissons. Ils n'aiment pas quand on fait cet accent à aix provence ils aiment avoir <laughs> notre accent, ouais. <laughs> mm, ouais, ça, ça c'est sympa. C'est sympathique. On bon. a vraiment l'impression d'avoir le nez sur un gâteau. Oui, c'est ça, ouais, vraiment. Alors, on pourrait penser que ça soit un peu. sirupeux, sirupeux ah. un, peu, un peu écœurant. Ben non, tu vas voir, c'est pas non, mal. Moi, un... Bon, j'ai déjà goûté, mm -hmm. je peux vous mentir. On est en plus, à côté sour. Ah, bah oui, c'est une berline Weiss. Acidulée. Il ne manquerait plus qu'elle le... qu n'ait pas un côté sour. Et le côté tarte, la française. Voilà. C'est à la fois, donc, on a le mot tarte et torte, on a les deux, quand on a le... dans un verre. Ah, c'est puissant, on est. Hein. Ouais. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien ce, ce côté calisson de C'est vrai qu'il y a un côté calisson. Mmh, calisson, polisson. Bon, ouais. Osons plonger Allez, c'est parti. Mmh. Bon, c'est vraiment une bière de dessert. Il hein. faut aimer la myrtille, mais c'est assez réussi. Oui, hein mmh. Tarte aux myrtilles oui. Voilà, complètement. Tarte au myrtilles avec un côté acidulé. Hum, c'est très réussi. C'est vraiment très, très réussi. Bon, c'est. Euh, je ne vais pas te dire que c'est la, la bière de tous les jours. Ça ne peut pas être une bière non. de tous les jours. Ouais, moi, je la bois assez souvent en ce moment. Bizarrement. C'est très, très réussi. C'est très rafraîchissant. Oui. C'est très équilibré. C'est léger. C'est léger. On pourrait penser que ça soit lourd, mais pas du tout. C'est léger, mais pas insignifiant. Non. Il y a de la myrtille, mais ce n'est pas ridiculement myrtille. Ce n'est pas un goût de sirop de myrtille. C'est vraiment très, très frais, très naturel. Ce n'est pas une caricature de myrtille. Non, ça fait vraiment euh, tarte à la myrtille, un petit peu citronné. Alors c'est très, très agréable. C'est amusant. J'aime beaucoup. Mais c'est un genre d'alcool, si on pro, proposait ça à un novice... On va lui faire croire que c'est pas de la bière. Ah oui, absolument. <laughs> oui, oui, oui. Pour lui dire, ah ben tiens, voilà, euh, on fait un alcool dans la région. Euh, ouais. C'est très bon. réussi. Puis c'est degré degrés, bon, donc ça va. Vous n'allez pas partir dans le décor. La mousse est crémeuse. Euh, oui. Est laiteuse, même en goût. Oui, là, on sent le lactose. Mmh. Petite touche de noix de coco, tu vois. Euh, oui. Également. Mais là aussi, euh, euh, point de trop d'infos. Bon, c'est très sympathique. Oui. C'est très sympathique, ouais. Je suis, euh, je suis positivement surpris. Moi, je vais mettre un bon 17. Ouais. Euh, je vais mettre 16, mais. Euh, ouais, c'est n'est pas une bière que, que j'aurais achetée. Est-ce une bière que j'achèterai Je ne crois pas. En ce moment, je n'ai pas envie de ça. Euh, Moi, oui. Mais c'est tout à fait honorable. Mention. Euh, ouais. J'y donne le bac, mention bien. <laughs> 16, ouais. ouais. Hmm? Parce que, par exemple, en ce moment, j'ai moins envie d'aller piller qu'à l'accoutumée. Qu'à J'ai failli dire, pour, pour, sérieusement, la blague, la blague qu'on dit. Bon, non. Mm -hmm. Pour l'accostumée, non. Ouais. Mais oui. En général, j'ai plus envie d'aille piller qu'en ce moment. En ce moment, je, et là, j'aime ça. Je, je fonctionne à une bière unique, celle que nous buvons la semaine dernière. Mmh. Voilà. Je vais écluser les stocks parce qu'après ils n'en auront plus. Thério a goûté euh, bon, la, la, la bière la semaine dernière. Il a goûté également en canette et il a fait la même remarque que moi. Il a dit elle est explosive. Ouais. Donc, euh, lui, au bout de 6 ou 7 qu'il explose à la, à la figure, il a, il a écrit à la boîte, il leur a dit Bon, euh, c'est bien d'en mettre, mais peut-être pas aller jusqu'au bout, là, vraiment jusqu'au bout, on en met Parce qu'effectivement, cette bière, euh, qui, est, qui est excellente, euh, quand tu l'ouvres, il faut être au-dessus de nevier. Ah oui, c'est pas terrible. Bah, tu vois, le truc qui monte, on en a eu des comme ça. Oui, hein. ouais ouais oui, ouais, ouais. c'est trop, elle est trop, euh, trop remplie. Mais bon. Très... Et j'ai tendance à la préférer en canette, même si ici si je n'ai qu'en beauté uniquement à cause de la beauté de la canette. <laughs> le goût est strictement le même. Et ça, d'ailleurs, ça me rappelle un peu, c'est pour ça que ça m'y fait penser. Ça parce qu'il y a un côté euh, dans l'autre, eh on avait dit un petit peu, un côté fruité, fraise et compagnie. Mmh, oui. Et là, on est sur, on a dans on a, on a la myrtille, donc c'est ouais, euh, presque dans les goûts dans lesquels je. Je me meux, actuellement, je me meux, La lactose meut. <laughs> voilà. On fait, là, on fait les cascades nous-mêmes, attention, attention. On n'est pas doublé. Euh, monsieur Stéphane, toi un 16, moi un 17. Ouais. Euh, est-ce qu'on la boit, est-ce qu'on la déguste pendant le sonal de, du Conseil de voyage? Oui, mais est-ce que tu as d'autres biscuits cette bière? Est-ce que ça a été, cette bière a été faite par un gaucher? Je ne sais pas. Un soir de pleine lune, je crois. Voilà, par exemple. Non, c'est tout. C'est la blueberry mochi mmh. de Paris. D'accord. C'est une Berliner Weiss de dessert à 4,5. C'est ouais. tout. Myrtille, lactose, vanille de Madagascar, flocon Blanc cristal, c'est tout. D'accord. Donc ça évidemment, c'est des sermes, Ça irait très bien aussi. J'aimerais bien ma manger des mochi. Tiens, serveuse euh, auditrice, est-ce que vous avez déjà mangé des mochi voilà. Dites-le-nous sur et les réseaux. On, et on se moque pas en plus. Non. Voilà. <laughs> on se moque pas des mochi. <laughs> euh, là, qu'est-ce que Oui, ça. Tu sais avec quoi je le je le boirai, je le, le, le mangerai en fait avec du canard, un truc comme ça. Ah bon ouais, 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 ouais. Que tu ne manges pas. Non, que je ne mange pas. Ici, il faut le... soit il faut le chasser, sinon il n'y en a pas. Ou alors il vient de. <laughs> alors, pas trop. je vais réitérer le, le, le même, euh, comment -je, le, le, la même association qu'on avait faite avec je ne sais plus quelle bière. Je vais dire de la dinde. Oui, voilà, c'est ça. Oui. De, la, oui. de la dinde de Noël, de la dinde de Thanksgiving. Surtout le Thanksgiving américain où on a des petites là, tout ça. Oui. Ouais, complètement. Parce que, parce que sauce d'Erel et tout ça, quoi. Ouais, complètement. Donc euh, voilà, ça, ça va avec. Voilà, C'est ce pas qu'une bière, qu bière de dessert. Non. Donc, on Donc, du aller... gibier. Ouais, du gibier, je pensais à ça aussi, mmh. bien sûr. Du Donc, sanglier, par exemple, un truc ouais. comme ça. Donc on va aller voir Paris, je leur dire, on va compter n'importe quoi. Mmh. Euh, ça peut se boire euh, avec le plat de résistance. Alors avec un fromage, tu crois Oui. Oui, une pâte cuite. Oui. Ouais. Mais plutôt... Bah eh, si, évidemment. Avec pâte que... molle. Euh, oui, les, comment on appelle ça les... Un brie, un truc comme ça, là. Ouais, mais je pensais euh, fromage de chèvre, mais. Euh, frais. Ah oui C'est tout à fait frais. Oh oui Complètement. Même avec, euh, avec euh, du fromage grec. Voilà. Oui ah, C'est bien, j'ai mon frigo, un truc comme ça. Du. Comment ça s'appelle bon, Je ne vais le... pas essayer ça demain matin avant d'aller bosser. Quand, comment ça s'appelle les fromages grecs, monsieur Ouais, euh, je ne sais pas, les, les moshis, aussi. Non, ben <laughs> non on est, euh, Pas on, du tout. On passe, on passe du japonais au grec. Euh, nous voilà. sommes internationaux, Binouz. Non, ouais. voilà, non, je pourrais. Comme je, je mange... La feta du, La feta, oui, avec la feta aussi, mais tu sais, avec euh, tout simplement là, le fromage grec, qu'on ouais. appelle fromage grec, fromage blanc en fait, avec mm -hmm. du fromage blanc, <laughs> j'ai cherché le nom. Vraiment, mais euh, oui, fromage de chèvre, voilà. ah, ça serait génial Donc demain, je vais arriver bourré à l'école, euh, <laughs> à 8h du matin, ouais, j'ai mangé fromage blanc avec euh, bien <laughs> Et alors Et alors Pas eu de problème Bon, j'ai pas mangé de fromage blanc le soir hein C'est vrai que ce serait une très bonne idée Ouais Parce que je me souviens, dans un restaurant... Euh, aux angles, mais pas les angles euh, côté d'Avignon, les mmh. angles dans les Pyrénées orientales, mmh. il y avait un restaurant dans le village et en dessert, je crois que c'était en dessert, ils servaient du fromage de chèvre frais avec, je crois que c'était de la confiture de... Alors, je ne sais plus de si c'était confiture de groseille ouais. ou de myrtille ou un truc mmh. comme ça. Et, et ça m'a tellement plu, j'étais gamin, je m'en souviens encore, mmh. de, de, ce, de cette association ouais, de sucré salé. Mmh. Oh, c'était formidable. De cette ouais. association de, de, de ce côté lacté, lactosé, ouais. machin, et puis de, de ce côté euh, aigre, euh, ouais. de, de, du fruit. Oh Ça sert parfaitement avec, euh, avec. Oui, voilà, un dessert, parce qu'effectivement, ça sera un dessert avec un fromage blanc et ça, mais c'est magnifique. Mais c'était servi avec du fromage, ouais. réellement. Ouais, ouais pas, pas du fromage blanc, du, un fromage aux chèvres. Mm -hmm. et avec euh, avec du, du je sais pas si c'était du coup Non, il faudrait, de... il faudrait leur en parler à Paris. Mais le... ça il ce qu'est le fromage blanc C'est pas, pas sûr. Voilà, pas sûr. Euh, ce serait parfait. Ce serait parfait. Ouais. Absolument. tu me donnes envie d'acheter du fromage de chèvre dans mon supermarché non voilà, non mais tu sais là, vraiment le fromage blanc le, le... ou tout, tout simplement le, le fromage blanc de Danone des trucs comme ça là qui mm -hmm. comme j'ai dans mon frigo là. Ah oui, oui, oui. Voilà, vraiment, le fromage blanc du matin, là, ouais. tu vois, des avec ça. Euh... Ça aussi, oui. Ah oui, ouais, tu as raison. Oui, ah, oui, ouais, ouais, je pense à ça. Mm -mm. que euh, trouver du fromage de chèvre, c'est déjà un peu plus difficile. Bon, oh, ça se trouve chez moi. Oui, évidemment, à Calata, ils ont tout. Presque. Ouais. Ils n'ont pas de Roquefort. Et... Ah. Il, faut... Il faut que je parle au chef de rayon. Il oui. dit, monsieur, est-ce que vous pourrez bien ouais, voilà. Roquefort Mais sinon, ils ont tout le reste. Oui. Des trucs, des trucs de... Ben, bah, écoute, ils ont des... Ils ont tout, quasiment, j'imagine, toute la gamme de moutis, de, 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 de tout ce qui est de. Tu sais, les, Italien. les tomates italiennes, non, et tout. Non, enfin, c'est la folie. Oui. Bon, monsieur, ce qui est également la folie. Oui. Ou sinon, on peut continuer à parler. Hein, mais... Bah, je propose qu'on boive l'autre. Comment ça, l'autre Mais qui a dans le frigo, là, ah ça pas place, hein, Parce que je ne vois pas boire autre chose, je peux en vivre, Ah, un mais... coup ah. de revenez-y, monsieur. Voilà, même mes pantalons s'en souviennent. <laughs> mon pute, j'ai peur, quoi. Eh bien, on peut faire ça pendant le solal. Ouais. C'est parti. Monsieur Stéphane, je crois que vous prenez goût à cette bière. Euh, je le crains, je le crains. Mmh. Mais Je ne monterai pas la note parce que maintenant on donne le bac à tout le monde alors. Euh, <laughs> ouais, euh, c'est plus comme avant. Hein. Alors, mon conseil de voyage, c'est euh, le, le nouveau, nouvel épisode de nos conseils de voyage sur le, la Louisiane. Oui. Sur les fun facts louisianais. Oui. Eh bien, le Louisiana Superdome à la ouais. Nouvelle-Orléans mmh. est le plus grand stade couvert fermé du monde, monsieur. Non, je ne savais pas. Du monde, monsieur Du monde Eh oui Du monde entier. Entier. Euh, on on dirait un peu qu'ils sont de, du Périnée oriental, mm -hmm. les Catalans. Qui est tous ces champions du monde. Pardon, ah, excusez-moi. Oui. Euh, Pomme, tu sais que c'est vrai. Euh, C'est là où jouent les New Orleans Saints. Absolument! Nos copains, Elio, John et, et, tout, et tout à clic de, de, de French Quarter Podcast. Mm -hmm. Et eh bien voilà, qui était ouvert en 1975. Oui, nous étions pas là. Oui. <laughs> <étions> pas là. <laughs> Ma femme y était, je crois. Oui, oui. T'es oui. petite, bien sûr. Oui, euh, oui voilà, elle s'en souvient, je crois. Euh, voilà, Louisiana Superdome. Mm -hmm. Et voilà formidable. Ça, ça fait partie des fun facts. Oui. Hein, voilà, euh, j'ai un autre fun fact, euh, oui. beaucoup plus local. Oui. Euh, j'ai vu en venant chez toi, donc de Down the Bayou, j'ai remonté le Bayou oui. sur la LA1. Oui. Si, si vous ne connaissez pas la géographie euh, de la paroisse La Fourche, il y a deux routes, mm -hmm. d'un côté et de l'autre du Bayou et qui font nord-sud, nord ouais. et tu sois la LA1, soit la 308, mm -hmm. et moi j'étais sur, sur la LA1, ouais. et j'ai vu un personnage que je n'avais pas vu depuis quelque temps, ouais. et je me demande si tu l'as déjà croisé, Stéphane, c'est un homme d'un certain âge, mais il n'est pas vieux non plus, on ne sait pas trop lui donner d'âge, qui habite sur, sur, sa tour, sur cette route, dans mm -hmm. une des maisons. Et tu peux pas le louper, c'est un type qui a toujours, je ne l'ai jamais vu habillé autrement qu'avec un pantalon noir, mmh. une chemise blanche oui, ai ai déjà vu. et un oui. chapeau à large bord. Oui, j'ai vu plusieurs fois, des... oui. La oui. première fois que j'ai vu cet homme, je, je passe en voiture, je me suis dit, je suis en train d'avoir une hallucination. <laughs> je vois un homme du 19e siècle. Ouais, euh, ou alors un Amish, mais il n'y a pas d'amish dans, dans la région. Non. Puis son chapeau faisait pas Amiche du tout. Euh, je, je me suis dit, euh, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. C'est la, la version masculine de la Dame Blanche. Qu'est-ce que c'est je, je suis en train d'halluciner. Et petit à petit, je l'ai vu plusieurs fois, qui marche. Alors ouais. il marche sur le côté de la route. Tu l'as déjà vu Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Et j'en ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit Ah oui, non mais c'est et puis alors, je me rappelle plus du nom, mais oui, oui, il habite par là. Euh, et, et si on s'arrête pour lui demander s'il euh, veut euh, qu'on le prenne en, en autostop il refuse toujours mm -hmm. et il ne parle que français. Wow. Oui. Ah, ça il ne parle qu'en français. Ça, je ne savais pas. Ouais, alors si tu t'arrêtes et que tu lui, tu lui parles en français, il va te répondre. Waouh C'est extraordinaire. Ah, je ne savais pas, je n'avais pas cette, euh, cette notion-là. Mais il, ça fait un peu, tu sais, ballon des sources, un peu, euh, ouais. je sais pas, euh, fin du, 10, du, 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 20, du 19e, début du 20e. Ah, C'est rigolo, ça. Ouais, et il ouais. ne parle que français. C'est bizarre. Mais... C'est un, un personnage de la région. Et les, les, les deux ou trois premières fois où je l'ai vu. Écoute, je l'ai, je regardé comme, comme si je voyais un, un personnage d'un autre, d'une autre époque, ouais. ou un type qui était en costume, tu vois, genre qui était dans un, un western. Mmh. Non, non, c'est comme ça. Ça me rappelle un personnage bon, qui était dans le, euh, dans le village où mon père a grandi, tout ça. On l'appelait le marcheur, ouais. un gars qui faisait. Pff, 20 km par jour, il marchait, il marchait, il marchait sans arrêt. Ouf. Et quand tu lui parlais, il te répondait très vite. « Bonjour, bonjour, Robert oh, !»« Robert, c'était le prénom de mon père. »« Bonjour, Robert, ça va, ça va, ça va, Robert, ça va, ça va !» Il marchait, il marchait. Ben, le gars, il revenait de la guerre d'Algérie. <coughs> il avait été un petit peu traumatisé. Oh. Donc, euh, il, voilà, il marchait toute la journée. Et voilà, oui. et, et, voilà il marchait, il faisait des, des dizaines de kilomètres par jour. Parce qu'il ne voilà. qu se supportait pas s'il marchait pas, j'imagine, s'il ne ouais, faisait pas quelque chose. Ouais. Ouais, il était revenu euh, voilà, avec ce, ce syndrome. Voilà, sinon, en parlant de ça, c'est rigolo parce que. What, what voilà, on rigole. Euh, là, j'enquille sur un pont pour traverser anky, le, anky, le Bayou, n'est-ce pas Oui. Et je vois un pépé qui est presque au milieu du pont. J'ai fait, bon, calme-toi, pépé, tu te crois Et puis j'ai compris pourquoi il À pied Non, non, en voiture. Ah, quand même. J'ai mais pourquoi il est au milieu du pont Ah, c'est parce qu'il y avait un héron cendré oui. qui, visiblement, n'avait pas peur des voitures, qui était là. Gros, grosse bête. Hein. Ouais, oui, c'est gros. Qui était là, euh, voilà, et qui ne bougeait pas. Donc quand je suis repassé, j'ai dû le contourner. Il n'a pas peur. Tu sais, <laughs> dire, j'ai klaxonné tu fais un petit peu attention parce que quand même c'est une bête assez lourde oui. c'est un gros oiseau et la dernière fois c'était pas le même c'est si ce toi c'est donc ton frère je cherchais ma bagnole là sur le parking puis je vois un héros cendré qui me regarde d'habitude si on a des aigrettes et des égrettes, ces mmh. petits oiseaux des blancs voilà blancs mmh. délicats non ça c'est des trucs euh, bien costauds et on se regardait, puis quand je suis revenu du boulot, il était encore là, je lui ai dit, nah, qu'est-ce que tu veux Tu veux ma photo <laughs> Je sais pas, moi j'en sais rien, quoi, tu vois. Et voilà, euh, on, on se regardait, euh, oui, bon, ça va, euh, bah, distance euh, quand même, tu vois, on va pas non plus... Euh... Et là, l'autre, il était au milieu du pont, puis euh, voilà, un, un petit pont en plus, c'est oui. un pont, il passe un bus et une voiture. Hein. La faune est assez impressionnante ici. Ah, euh, c'est vrai qu'un bec, en plus... Euh, mais il était là, il est tranquille, bon je bouge pas, bah, voilà. Bah, quest ce <laughs> <bon, rire> qui m'embête, lui. Ouais, bah un bus, je ne sais pas si le bus aurait pu passer. Ouais. Voilà, à mon avis, le bus euh, serait passé puis le, 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 le héron, il serait passé. Ouais, un ouais, ouais, gros, gros coup de klaxon peut-être pour le faire. Oui, mais coup, attends, oui. s'il si y a les gamins dans le bus, par exemple. Ah, il ne peut pas rouler dessus sinon les gamins, ils pleurent. Oui, ouais, mais il n'aurait ouais. pas vu. Oui, ouais, mais il aurait senti parce que... <laughs> <laughs> ouais, C'est pas petit. Ouais. Et on voit des animaux bizarres sur le, sur le bord de la route ce matin. Ouais. Euh, ça fait deux matins de suite que je vais sur la 90, la highway, mm -hmm. et... Il y a un coyote qui est mort ah, sur, le, sur le bord de la route. Ah, Il y a des coyotes ici. Ah, ouais, j'en ai croisé plus d'un. Ouais. Et oui, et euh, moi j'en ai entendu X euh, mm -hmm. le soir quand j'allais euh, promener mon chien euh, là où on habitait avant l'ouragan mm -hmm. et je c'était une espèce de de, de petit chemin entre, entre les une espèce de je sais pas si c'est en friche, je me rappelle plus mais si ouais, c'était ouais. en friche ou enfin si c'est un champ, enfin c'est vraiment c'est la nature et la nuit, tu entends tu les entendais mais à 30 mètres, quoi. Oui, oui, oui. Ah. Ouais. C'est incroyable. Ouais, bah une fois, ils ont traversé le monde devant ma voiture. Euh, et ce qui est amusant, ça ressemble un, peu, un petit peu à des chiens. C'est un chien, oui. Des chiens très élancés, mais oui. ils ont dix fois plus de réflexes qu'un chien. Déjà, un chien, c'est les réflexes, quoi. Mais eux, ils sont capables de s'arrêter sur 50 cm alors qu'ils étaient en train de courir, quoi. Un chien, il va glisser. De c'est les... des super chiens, quoi. Et une fois, j'en vois passer un, j'en vois passer deux, j'en vois passer trois, j'en vois passer quatre. Le quatrième, bon, j'ai dû le rouler sur les ongles. Aïe. Mais s'est arrêté quand il est laissé animer, tu vois, comme ça quoi. Et puis après, je sais pas. Le, 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 le jour d'après, je passais dans l'autre sens, mais ben, l'un était mort, qui s'était fait, euh. qui s'était fait défoncer. Est-ce que tu sais, euh, est-ce que tu connais cette anecdote sur les, sur les coyotes qu'ils font ils, ils, ils font euh, l'appel? Ils se comptent, c'est-à-dire qu'ils sont en meute. Oui, mais les loups, pareil. Tu connais ouais, ça ouais, les loups font la même chose. Alors, ils, ils se comptent le soir, ils font l'appel. Mm -hmm. Et s'il en manque un ou deux, les femelles euh, se, se, se mettent en chaleur pour en faire, pour faire des bébés. Ah, comme les hommes, en fait. Parce qu'il en manque. On fait pareil. <laughs> le taux de natalité en France a baissé. Pourquoi Parce qu'on ne s'appelle plus. Ah là... Dans le monde moderne, on ne s'appelle plus. Tu vois voilà, pour ça, Twitter, c'est pas pareil. Mais voilà, on s'appelle plus. <laughs> c'est pour ça. <laughs> Oh On ne fait pas l'appel. Bon. Voilà. <laughs> ouais, oh. C'est pareil pour les loups. Ouais. C'est bizarre. Hein. Mm -hmm. Et donc, il y a de la faune ici qui est, qui est, qui est incroyable. Mm -hmm. euh, Monsieur Stéphane, ce qui est incroyable également, c'est nos coups de cœur. Nos coups de cœur. Voilà. Alors, euh, ben, je peux commencer. Par oui, oui. Alors, euh, est-ce que vous avez écouté mon coup de cœur Oui. Ok, d'accord. Oui, 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 On oui, en parlera oui, après. Je, je l'ai écouté. mon coup de cœur, Et je trouve que parfois en France, il y a des, des industriels qui sont héroïques. Ah bon là, là, c'est pire que d'avoir héros ou, euh, ou des coyotes. Euh, tu sais que bon, tu imagines l'énorme, les l'énormité les, les, les des normes à respecter. Oui. Wow. Tu vois, euh, voilà. L'énormité des normes. Voilà. Et on dirait du rap. Malgré tout, on va se lancer dans le rap, c'est évident. Mmh. Euh, le rap senior. Mmh. <laughs> Le rap senior! Le rap vermeil! On va se lever évidemment! Parce que les premiers rappeurs, c'est bientôt les pâles, les gars! On est les, les, les rap à fromage! Attends, les mecs, ils ont un de 60 ans! C'est vrai ça! Mon rapiste. C'est vrai ça! Eh, oui! Une ouais, maison de retraite! Les bientôt les pâles, les gars! <laughs> euh, donc. Euh... De l'iPad à l'iPad! Voilà, oui! Donc, c'est une société qui s'appelle L'Ormoto. L O R M A U T O qui propose donc euh, bah, qui, qui propose ça maintenant ils ont eu euh, l'habilitation d'accord euh, ils font des Twingo électriques c'est-à-dire qu'ils récupèrent wow des Twingo oh euh, et euh, bon ils gardent en définitive que la carrosserie pratiquement et puis ils nettoient même quand ils nettoient ils transforment même les tableaux de bord ah, et s'ils nettoient c'est donc euh, c'est donc mon ouais. frère voilà mm -hmm. et, euh, et, et évidemment ils la mettent euh, aux normes européennes. Euh, ils changent bon, le tableau de bord qui était un petit peu... Enfin, -à -dire, ils mettent un tableau de bord de type électrique, tu vois, avec toutes mmh. les, les modalités. Et donc, là, pour l'instant, bon, ils ont sorti quelques modèles. Ils prévoient de sortir euh, deux modèles par jour, et puis après trois, puis quatre. Enfin, euh, et euh, ils ont... Je trouve ces gens héroïques, non pas par le fait de, 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 de mettre, de transformer totalement le véhicule, mais c'est de passer outre, fait enfin, le passer. Parmi très cette forêt d'habilitation administrative, Et à un moment donné, si voulaient lancer leur business, il fallait qu'ils testent leurs produits au même endroit que l'usine, euh, euh, au même endroit, où, euh, à un endroit où ils auraient l'usine qui produirait ce produit. Tu peux pas, tu oh peux là pas là faire à un autre endroit, en compagnie. Non, mais ça c'est les trucs. Et si vous êtes gaucher, attention. Ouais, et si vous êtes roux, alors ah, là, si non, voilà. c'est refusé. Euh, vous êtes allergique aux acariens, donc vous ah, ne pouvez non. pas. Non, voilà. Des trucs, les gens qui passent à travers ça, ça m'impressionne plus presque mmh. que le. Les... C'est une forme de rétrofit. C'est les Twingo Walk. Voilà, c'est des trucs, je ne sais, <laughs> sais pas comment ils font les gens pour passer à travers. Le... Toute cette, cette administration tient vraiment au projet. Il faut vraiment le tenir qu'il soit euh, béton. y voilà. euh, il va, il va avoir de la patience. De, de la patience et de la passion. Euh, donc évidemment, ils expliquent que ce sont des voitures faites pour les rouleaux. C'est pas des voitures. Mmh. Déjà la Twingo, c'était déjà, déjà. Oui. Ça, quoi. Comment C'est pas des voitures. Pour, mais non. Euh, mais c'est très beau euh, pour traverser la France. <laughs> pour, euh... Mais non. C'est surtout, sur les des vieilles Twingo, quoi. Tu as pas les, ah les ouais. modernes. Ah oui, les autres. premières. Voilà, ouais. Je m'en souviens, les premières. Voilà. Donc. Euh, euh, Celle ben, qui euh, était mauve, orange, jaune. Voilà, c'est ça. Donc, euh, je sais plus comment ils se. Il se mais c'est vraiment. Ils conservent la carcasse. Et puis après, bon, le reste, c'est. Euh, tout est en électrique. Euh, hmm. Voilà, donc. Ouais, c'est pas mal. Et ils se lancent. Je trouve ça euh, héroïque. Mais ça se vend, ça Ça va se vendre. Ah Ça va se vendre. Mais, mais, mais je trouve ça totalement héroïque. C'est vraiment une voiture. Parce que maintenant, on que c'est une voiture qui pollue, comme la mienne, comme la tienne aussi. Oh oui, oui, oui. Bon, Évidemment, parce que les sportives, mais c'est voitures voiture mais Monsieur Stéphane, en pleine crise climatique, mais quand S'il vous plaît. Quand des, quand même, hein des Un peu d'essence. C'est vrai que tu ne manges pas de l'agneau de Nouvelle-Zélande. <laughs> c'est vrai, euh, non. Voilà. Pas, pas encore. Pas encore, parce que là, c'est <laughs> <c 'est> mieux. <laughs> Ça me tente. Tu peux pas rouler dans les centres-villes, mais tu peux bouffer l'agneau de Nouvelle-Zélande. Ah, ah ouais, non mais c'est taquin, ouais. c'est joueur. Et, voilà. <laughs> Et bientôt du poulet du Brésil. Et les champs de maïs transgénées qui poussent oh. sur la fourrure amazonienne. Oh, Mais je... tu peux pas rouler. Non. En Fiat 124. Dans ça les C'est n'importe quoi. Ça va pas, Arrêtez. Des Arrêtez. ça. Bon. Donc, bon, c'est pour permettre aux gens euh, d'aller travailler. Les brebis bon. peuvent faire le voyage de Nouvelle-Zélande, mais ouais. toi, toi, pourront toi, aller toi pour, pour les co trajets courts, privilégier le, 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 le vélo. Ils quoi. vont ouais. pouvoir les travailler parce que bon, effectivement, dans les très grandes villes, les transports en commun sont développés. Mais à des villes de taille moyenne. Les brebis euh... apprennent pas les transports en commun. <laughs> Et les brebis. Les mais... agneaux. Mais on ne prend pas les moutons. <laughs> que... c est... C est pour le. Voilà donc. Ce podcast dégénère. Voilà, tu vois, c'est pour euh, en fait, euh, tu vois, c'est pour répondre à une exigence. Tous les véhicules terrestres à moteur ne peuvent pas pénétrer le centre des, des centres villes, donc ah. il crée des voitures Ouh. comme ça. Non polluant. Je vois. Mais, moi, je trouve que l'intérêt, c'est d'avoir une voiture comme ça pour aller travailler, mm -hmm. s'arrêter au resto du coin. Oui. Et manger un bon ah. agneau de Noël. Ah, voilà. Voilà. Là, je trouve que. Ah, là, quand même. Là, quand même. <rire> <rire> là, je trouve que ça, ça a du sens. Ah, bah oui, complètement. Voilà. C'est logique. Voilà. Ouais. 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 C'est bien. C'est bon, bien. Je comprends pas tout. <laughs> hein. J'ai du mal à suivre. Moi aussi. Mais <rire> <bon>. <rire> Bon. Voilà. Monsieur Stéphane, avant qu'on se... pas, nous, on s'en charge. Ouais, c'est ça. bon. Avant qu'on ait des ennuis, on passe à mon coup de cœur ouais. Ouais. Avant qu'on se fasse canceller. Ouais, voilà. ouais. Ça euh... irait très bien, justement. Oui, avec un de la Nouvelle-Zélande. Avec un Aniel de Nouvelle-Zélande. Ouais, cette, cette Berliner Weiss de voilà. dessert. Voilà, euh... <laughs> Pour bon. boire ou conduire, il faut choisir. Ah, bah oui. Voilà. Nous, on a, choisi, voilà. on a choisi. On a choisi le podcast. Nous. Voilà, ouais, absolument. bon. <laughs> Monsieur Stéphane. <laughs> alors, on nous écoute en Nouvelle-Zélande, on le sait. Tout à fait. Ouais. Euh, vous avez donc euh, tout de go écouté mon coup de cœur. Uh -huh. Alors, oui, bah, que vous entendez démarrer en fond ce ouais. rire, puisque c'est un Mais morceau. -ce -ce donc c'est donc de la solde. Oui, c'est de, de la, la sole sol. sol de manière Qui <laughs> vient du Paraguay. <rire> oui. <rire> Et voilà, <laughs> voilà C'est normal Vous <laughs> êtes bête non. Non, Un, un le... avion, évidemment. Hein? Un avion ou un, ou un bateau bah, diesel. Bien sûr. Un cargo diesel, sinon c'est pas <laughs> c'est pas drôle. Ah ouais. euh, alors... C'est le morceau Colors de The Black Pumas. Oh là là! The ouais. Black Pumas. Connaissiez-vous The Black Pumas? Je ne connaissais pas les Pumas Noirs. Ah, C'est un duo de soul euh, mmh. psychédélique oh. basé à Austin, Texas, ah, monsieur. Quel est leur label? Et je ne sais pas. Ouais. Le label rouge, j'imagine. Mmh. Mais euh, ils ont remporté un Grammy en 2020 oui. euh, pour le meilleur nouvel artiste. Oui. Ce que, que je trouve est, est tout à fait mérité. Voilà. Euh, alors, c'est un duo, mm -hmm. euh, donc comme je, je viens de le dire, euh, composé de l'auteur-compositeur-interprète Eric Burton. Il y a quelque chose, aurait hein. Non, c'est pas Burton. Ah, voilà, c'est Burton. Mais c'est Burton, c'est pas le même. Ah, euh, c'est pas le même. Euh, non, lui, lui, lui vient de Nouvelle-Zélande. Voilà. Non, de Californie. <laughs> oui. Il vient de Californie. Mm -hmm. Et le guitariste-producteur Adrian Quesada, Quesada oui. qui, qui lui est bien texan, oui. euh, qui est un, un ancien membre du groupe euh, des Grupa Fantasma. Que je n'ai pas connu. Une... Moi non plus, mmh. mais il faut, il faut investiguer, absolument, en fait. absolument Et je trouve ce morceau absolument sublime. Qu'en ouais. avez-vous pensé Moi, bah, J'ai trouvé, justement, c'est pour ça que je t'ai demandé le, le, le label, parce qu'à New York, ils font ce genre de musique. C'est fait ce soul, mais en même temps, il y a une espèce de, de côté gospel ah que j'aime bien. C'est sublime que je me parfume parfois ça. Mais, oui, ça, je ouais, sais. Voilà. voilà. Donc, donc, donc pour ça, ouais, ça... Voilà, cela m'a beaucoup plu ça t'a parlé et je me suis dit est-ce qu'ils ont enregistré sur Dafton Records sur le mec ah, là, tu vois je... là, le mec le pro tu c'est ça le pro ça le je sais pas voilà ou sur la belle néo Zélandais nous saluons sûrement, sûrement. sûrement. <laughs> ça, on nous envoie déjà les rugbymans aux <laughs> Zélandais hein et dans les agneaux attends les agneaux <laughs> attends sur la pelouse c'est pas les agneaux les rugbymans néo Zélandais Donc, si, si tu achètes le disque des Black Puma tu as un agneau gratuit voilà <laughs> <laughs> excusez-moi <laughs> <laughs> on, retiendra le, on, on retiendra le slogan de la, de la semaine oui. euh, ne, vous, ne polluez pas, on s'en charge pour vous voilà. Voilà. <laughs> bon, voilà. Vous avez aimé ce morceau monsieur Oui j'ai aimé, voilà, j'ai ai vraiment beaucoup aimé J'ai vraiment beaucoup aimé Et, Je n'ai pas, ai pas fait une enquête sur, sur ce groupe Eh bien moi je m'en suis chargé voilà. Effectivement il y avait un truc un petit peu plus country pour que ça soit. Eh ben sur le c'est pour da, ça. C'est de la soul texane, hein. monsieur. Voilà. C'est rigolo, le label d'Afton Records, c'est une maison, quand même, Il y a une maison. Ah oui il... Puis ils ont commencé à proposer les vinyles, puis à enregistrer des gens, et puis voilà Et puis voilà Mais quel est l'intérêt de ce genre de musique ouais. Quel est intérêt C'est hein vieux style. L'intérêt, voilà. bah, c'est que ceux qui ont connu Beethoven, eh ben, il n'y en a plus beaucoup. non <laughs> Ceux qui ont connu en sont vivants, ils sont plus nombreux. Et plus ça ira, moins ouais. il y aura des gens qui auront connu Napoléon. Voilà, exactement. Ah mais ils sont ouais. chez ATE, uh, ATO Records Ça ah, vous non, parle ça Non ça ne me parle pas C'est vous, le label est beau Oh oui label est très Oh. Mais dis donc c'est cool, cool, ça Marnier Marnier <laughs> tu, tu sais que c'est un, un, un syndrome de Marnier Tu connais le, mm. le problème d'oreille ça Ah non je ne sais pas non. Ouais, On parle de tout dans, dans ce ah, podcast meunier, meunier. Me... <rire> <rire> C'est mon pote ouais. Ryan Adams qui, qui, qui a le syndrome de Manu. Je rappelle que cette viande ne fait que 4 degrés d'alcool et une animation partagée. D'ailleurs, il faut, il faut que j'arrête de dire que c'est mon pote parce qu'il était cancellé. Oui, euh... c'est vrai que. <laughs> quand je dis mon pote je l'ai rencontré on, on était copains ouais. bon je vous parle de ça de la fin des années 90 ah oui, voilà, c'était avant le MeToo je ne savais pas. Étais pas il ah. est encore devenu un vieux pervers voilà. du don bon, vous, vous parlez de rien oui. hein, c'est pas de moi oui, évidemment Ah bon. Oh, pardon excusez-moi <laughs> écoutez vous n'êtes pas encore ah, pas encore pas non. encore <laughs> pas encore je pense qu'avant la fin de l'épisode je crois que ça va oui ça va pas tarder euh, donc, c'est tout. Voilà. Voilà. J'ai fini mes notes. Voilà. Monsieur, Sté Monsieur Stéphane, euh, oui. mais ce qui n'a pas fini nos notes, c'est mm -hmm. le 100p. Absolument. Avant qu'on dise encore plus de bêtises. Absolument. Et de se faire canceler. Le 100p, on fait venir euh, une olive à la fois euh, du Portugal. Oui. Voilà. <laughs> en bateau. <laughs> en bateau, bateau mouche. <laughs> voilà. Absolument. On y va Oui. C'est parti. <music> Bonjour, je suis Simon Bolivère, préparateur physique de prof de français. Alors là, vous voyez, je prépare les suppléments alimentaires pour monsieur Stéphane. Euh, bien sûr, à base de kombucha, de toile auvergnat, de qui de -Au de, de sans façon également, avec un apport de sodium minimal, bien sûr. Euh, monsieur Stéphane, ça y est, c'est bon là, j'ai votre cocktail là. J'ai votre cocktail, allez-y, n'hésitez pas. Voilà, voilà, allez-y, je crois que vous êtes prêt. Monsieur Stéphane, maintenant qu'on sait ce qui se passe au 100 on passe à la pub. Oui. C'est parti. Mais bonjour, c'est Jean-Yves. Une blague des années 90 que l'on croyait disparue revient à la mode. Mais tu sais pas où j'ai mis mes clés Dans, Dans ton cul cul Si vous aussi vous appréciez des blagues des années 90, rendez-vous sur podcut.studio, également sur patreon.com slash podcut. Monsieur Stéphane, on arrive vers la fin de l'émission. Oui. Je vois que vous commencez à prendre goût euh, à cette euh, mochi. Voilà, c'est vrai. Cette blueberry mochi. J'avais peur, euh, je ne l'aurais pas acheté. Bah, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Est-ce que j'en rachèterai Non, mais là, vraiment, ce ouais. soir, je l'apprécie. Euh, vous en rachèterez pas, ouais. mais vous, vous, vous pouvez une deuxième ouais, quand même. Oui, bien sûr. Parce qu'en général, il bon, faut vous dire, chers auditeurs, Stéphane, en général, la plupart du temps... Euh, on se coupe une bière en deux ou bien on en boit une chacun. Euh, Stéphane, tu l'es fini, fini très rarement. Très rarement. En ouais. général, tu mmh. bois trois petites gorgées ouais. et le reste euh, de, est à ta température ambiante et puis au bout d'un moment, c'est éventé puis tu mmh. le jettes. Ouais. Là, euh, c'est toi qui as dema ouais. demandé d'ouvrir la deuxième canette. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Au bout du compte, ça me fera une canette entière. Voilà. Oui. Euh, non, très réussi. Euh, comment pourrais-je. Acheter cette canette <laughs> avec des sous, tu me diras oui. Mais euh, oui. dans quelle occasion je pourrais acheter cette canette et, tu vois, je, Si j'avais du monde et que je souhaitais les épater, ouais. faire les pâtes là, bah, tu, vois, tu vois, et euh, de la nourriture comme comme tu disais tout à l'heure, mm -hmm. du gibier, du canard, de dire, bah, avant d'essayer du vin, essayez ça, tu vois, un mm -hmm. truc comme ça, tu vois, ça, ça, pour faire pour faire pour faire mon intéressant, n'est-ce pas mm. Euh, mais vraiment, c'est vraiment intéressant si j'étais sommelier, si j'étais sommelier <laughs> de la République. Je... <laughs> Pour n'importe quoi. quoi. N'importe quoi. Si j'étais sommelier, je ferais mon intéressant avec ça. Je conseillerais aux gens, mmh. bah, vous voulez pas un, un apéritif ou voilà, tu vois, un truc comme ça. Ça serait un conseil, tu sais, euh, un peu unique. Mmh. Pour ma consommation personnelle, bon, euh, les canettes prendraient quand même un petit peu la poussière, même dans mon frigo. Il vous dit ça, cher du d'étriste, mais je suis sûr que la semaine prochaine, il va en acheter. Ah, ouais. suis... Non, parce que ma, ouais. ma go-to comme on dit en suédois, lorsqu'on ouais. veut parler anglais. Bien <rire> <sûr>. <rire> euh, Rappelle un petit peu ces, ces touches-là, il y a un petit côté frais rouge, mais plus maltais. Euh, donc, euh, ma magotou est plus complète, celle-là est plus oui. une niche. Ah hein, bah, c'est voilà. une Berliner celle-ci. Voilà. Toi, toi, tu parles de la lagueur rouge ouais, voilà, voilà. qu'on a dégustée la semaine des, dernière. Il y a des similarités. Très bien. Eh bien, monsieur Stéphane, euh, c'est le moment où j'aime faire le retour du retour. Oui. Et le retour du retour, c'est euh, une publication sur euh, Twitter. Euh, qu'on euh, qu a eu ce matin oui. de, de Rudino, euh, @rudifoot, mm -hmm. et qui a dit euh, Bon, binousu, BinousUS, il va falloir qu'on discute et regarde la photo qui nous a envoyé. Mais qu'est-ce que c'est ça Alors, j'ai décrit il y a la King Sue, mm -hmm. qui est, qu est une double IPA euh, mythique, ouais. et ça, c'est deux DDH Ghost ouais. et deux Ghost Prime. Hello, il a trouvé de la Ghost Prime en ligne, Stéphane. En ligne, d'accord. Oui. Et, et euh, sur quel site et, La Didier Ghost. Et eh bien, et euh, eh bien, et eh bien, je vais vous le dire dans un instant, mm -hmm. parce que je, bon, il y a tout un fil, parce que tu t'imagines que bon, j'ai sauté dans la discussion et d'autres auditeurs également euh, sur un site néerlandais, voilà. Ah oui. Et le jour même, ils étaient en rupture. Donc il faut mm -hmm. vraiment bien viser. D'accord, le jour même ils étaient en rupture. Peut-être ils vont s'interroger, on se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi on doit vendre autant de bières en France Oui, pourquoi <laughs> tout d'un coup, Paris, euh... il y a des tas de Français qui tout d'un coup boivent ouais. ça Alors Moi, j'attends le retour de ma carte bleue qui a été légèrement Ta piratée. carte vermeille voilà, Ma carte bleue qui a été légèrement piratée parce qu'il y a une bière que j'aimerais m'octroyer et que j'aimerais commenter. Parce qu'il semblerait qu'elle soit de retour chez le marchand. Mais pour l'instant, ah. c'est pour des raisons techniques indépendantes de ma volonté. Parce qu'il y a un abruti à l'Arkansas qui a voulu faire des courses avec ma carte bleue. Oui. <laughs> Qu'est-ce que je fous dans l'Arkansas <laughs> Franchement. Franchement. C'est pas ton style, euh, ça. Voilà, donc bon, C'est pas ton style d'aller dans sur, l'Arkansas. Surtout le nord de l'Arkansas, là où, vraiment tout à fait au nord. Euh, donc, pour l'instant, je suis ici en carte bleue. C'est pas grave, j'ai voilà. la bière de la semaine dans mon frigo. Voilà. De la semaine prochaine. Voilà. J'ai la nouvelle bière de la semaine dans mon ah, frigo. Ah, parce que j'ai. Qui va vous surprendre. L'autre se... peut se conserver. Hein. Mais euh, j'aimerais pas qu'elle me passe sous le nez, puisque. Bon, voilà. Donc, euh, j'en dis pas plus. J'ai déjà la bière de la semaine prochaine. Donc, si comme... ça ne peut pas se faire, ça se fera pas. Bon. Et si ça se fait, je eh écoute bien... Pas. On se fout, je m'en fous. La bière de la semaine prochaine oui. va vous surprendre agréablement, je pense. D'accord. Je vais garder ça sous le menton et je vais vous dévoiler ça euh, eh bien, en direct dans l'émission je pense que ça va vous surprendre agréablement oh, oui oui, oui. Vous, vous ne soupçonnez pas euh, que ça existe enfin voilà je ne suis pas en train de dire si, si, si je continue à parler je, je, je vais dévoiler le secret de bière couleur jean voilà non non voilà. non 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 mais bon, voilà je, 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 je ne dis pas plus que et ça ben, c'était une bonne surprise j'ai bien aimé votre bière que, que, que pas? vous amenâtes et que nous laissâmes dans mon frigo n'est-ce pas et en même temps c'est assez amusant cette... j'ai des myrtilles juste à côté de cette bière j'ai voilà. mes myrtilles des framboises aussi c est, c est, ah. ça ne dérange ouais. pas voilà donc oui bah, c'est très réussi n'est-ce pas ouais ce, ce côté riz, pâte de riz, gâteau de riz. C'est complètement réussi. Ouais. Et ça me, vraiment, ça me donne des idées. Parce que c'est, si tu veux, épater les gens. Euh, tu proposes ça euh, avec, euh, comme tu as dit, du, 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 gibier, du gibier, de la dinde. Je trouve que ce final, parce qu'il y a une, une fin de bouche, euh, gâteau de riz, mm -hmm. Je trouve qu'il enrobe euh, le, le, ce côté Berlin Weiss euh, sour, euh, acidulé, oui. qui fait que ça n'est pas. Euh, comment dirais-je Ça n'est pas, 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 pas trop agressif. Ce n'est pas acide. Ce n'est pas trop passif, ce n'est pas trop agressif. Ça plus... arrondit ça arrondit le côté acide. C'est totalement maîtrisé. Euh, ce n'est pas du tout si Non. Touche de lactose, j'oserais même dire noix de coco, mais. Très, très légère. Quoi. Oui, parce que noix de coco, on peut en abuser oh, et ça devient imbuvable. Ça devient totalement imbuvable. Euh, c'est absolument remarquable et souvent, lorsqu'on a envie de boire une bière avec la nourriture, c'est que c'est une bière de qualité. Oui. Et quand on raconte des bêtises après l'avoir bu, voilà. c'est aussi un gage de qualité. Quel que soit le degré. <laughs> <Ouais>. Absolument. <laughs> non, mais c'est ça. En plus, dans l'émission, c'est vrai. Mm. Quand on boit une, euh, une bonne bière, ça ça nous amène à discuter de choses et d'autres. Ouais. et ah, euh, beaucoup plus que quand on boit une bière qu'on n'a pas aimée. Oui, une bière mauvaise, on n'arrête pas de, de ressasser. Ouais. On dire cette bière est mauvaise à cause de ça. Alors qu'une qu bonne bière nous, nous, nous fait... Nous rend positif. Voilà, elle nous voilà. fait parler de choses un petit peu, euh, des fois, un, peu, un petit peu bêtes. Un peu du tout. <laughs> euh, ce qui n'est pas bête, en revanche, c'est de nous suivre sur les réseaux. Twitter, oui. Facebook, Instagram, Threads et Blue Sky. Wow. Ah, N'est-ce pas? On est partout. Également euh, alors, euh, à l'email mm -hmm. euh, Et Puis c'est à peu près tout. Monsieur, vous pouvez également interagir avec nous sur le Discord de notre label euh, oh. Podcut. Eh Oui, je crois que c'est ouvert à tout le monde si je ne dis pas trop de bêtises. Oui. Et puis c'est à peu près tout, monsieur Stéphane. Comme je viens de le dire, la bière de la semaine prochaine est déjà d'ores et déjà dans mon frigo. Oui. Elle vous attend, vous, chers auteurs d'étrise, et vous, monsieur Stéphane. Et je l'ai choisi pour vous. Quand j'ai vu ça dans mon magasin, j'ai dit wow C'est pour moi oui, pour toi Ah bah, ouais, ouais. Oui, pour vous, pour vous, je, je, je vous vois Pour moi <laughs> Et puis pour vous aussi, chers auditeurs, Dutris, ouais. c'est un... Voilà, je ne vais pas en dire trop, voilà. c'est tout. Parce qu'après, je vais commencer à dire des choses et puis ça va dévoiler, voilà. le... ça va déflorer. savoir le... que cette bière vient de Nouvelle-Zélande avec les agneaux. Voilà, voilà. <laughs> oh, Comme voilà. tu le savais <laughs> Évidemment Elle est faite à base de maïs transgénique. <laughs> euh... voilà. Elle est arrivée en avion. Voilà <laughs> Euh, bon, monsieur Stéphane, avant oui, qu'on dise encore plus de bêtises, quoi. et qu'on se fasse canceller, ah oui. comment on dit en, en bon français Effacer. Effacer, ouais, ah, tu crois Ah oui, c'est ce qu'on on parle de. de, de, se faire, on se parle de, de tu crois français. Oui, oui, ah, oui, oui, ah, oui. Parce que par exemple, une émission de télé, quand elle, elle se fait enlever de, de Londres, c'est quoi On a dit que ça a été déprogrammé. quoi Déprogrammée. Ouais. Mais des fois, c'est pas déprogrammé. Non, c'est pas déprogrammé c'est pas des programmés que je cherche mmh. c'est mmh. aidez-le aidez-le ah, aidez-moi aidez-moi oh, il galère il perd son français Annulé. Annulé. Ah, voilà <laughs> c'est un mot difficile à trouver oh, de... c'est ça avant qu'on se fasse annuler euh, depuis que tu bouffes du poulet brésilien <rire> <rire> non, mais, je crois que ça me tape sur le système ah, carrément oui <laughs> mais, mais c'est si bon donc, les Je c'est tellement bien les épices c'est si il faut que je vous dise il faut que je vous dise c'est toi Stéphane je crois que je t'en ai pas parlé oui. J'ai un élève qui est euh, brésilio-américain. football Sa maman est brésilienne, son père est cajun. Oui. Et euh, donc il est, il est complètement bilingue, bien sûr, portugais, anglais. Mm -hmm. Et, ça, ça c'est un gamin, c'était ext extrêmement intelligent, c'est une flèche, ce, ce gamin, puis ouais. bon, il est déjà bilingue, donc pour, pour lui, le français, c'est bon, ouais, allez, ouais, t'as quoi d'autre, là, allez, ouais, allez balance-moi truc, là, trop, trop facile. facile. Et alors, l'autre jour, je sais plus, on parlait du Brésil, je sais pas quoi, et juste, avec Stéphane, comme on dit toujours des bêtises sur le Brésil, mm -hmm. j'ai commencé à dire, Brésil ah, Brasil, au oh, football, et il me regarde, il <laughs> non, non, tais-toi là, tu n'étais pas autorisé à parler. Et ça, là, non, mais ça l'a bah, 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 oui. interpellé quoi. Mais... Ah, oh, il dit oh, bon. Mais lève la main là, là tu, tu, s'il te plaît, c'est un cours de français d'abord. Non, mais je lui je parlais à, à lui en fait. <laughs> mais je sais pas pourquoi je suis parti en délire, tu vois. Je, 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 je me disais à moi-même, hein, ah, ouais. ah, brésilien, footchement. Et il me regarde, il dit bon. <laughs> Ouais, pour lui, ça, ça veut dire quelque chose. Oui, c'est un mot normal pour lui. Voilà, <laughs> voilà, voilà, c'est le télescopage de binous de, 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 du, du et du travail du, des, du, des travail de 8h à 3h. <laughs> <laughs> des fois, il y a les télescopages. Oui, ça, c'est des choses... Monsieur Stéphane, oui. ce, qui, ce qui ne va pas se télescoper, c'est le mot de la fin. Bien sûr. Binouche, c'est bon, non, non. <laughs> Binouche. <laughs> <Binoche. rire> Binouche. <laughs> Look at her go! Look at her go! I like both these potatoes. <laughs> we should watch it. We should watch it. We should watch it. I think that one's full. Cool. La vie est trop courte pour boire de la bière. Oh mince, je ne l'ai pas. Mmh. Ils avaient déjà bossé. Euh, non, bah, pas bossé, brassé, je reprends. Ah, mmh. monsieur Stéphane, on arrive clopin copin Je reprends. Ah, monsieur Stéphane, on arrive clopin copin vers la fin mmh. de l'émission. copin hein. Copain, Mais non, mais ça y est, mais non. Un, un copin-copin. Non, on reprend. Non, non. <rire> <rire> bah, voilà, un bel épisode!